investi la deuxième partie. Il faut se rendre compte que là, on a une chance qu'on n'a pas eue depuis des années. Moi, je suis rentré en 97. Des grèves offensives, je vais être clair avec vous, j'en ai pas connu des grèves offensives. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des grèves défensives. Cette grève, elle est intéressante en soi parce qu'elle est capable ici de faire une grève offensive. Parce que si derrière, on peut les faire canner sur le projet de loi, là, on peut arrêter ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on va se parler vrai. La réforme, ils l'ont déjà commencé. Qui ici n'a pas déjà subi une restructuration dans son service? Qui ici n'a pas vu une perte de poste? Il y a un copain qu'on a été reclassé parce que, soi-disant, il n'était plus apte au travail, enfin, surtout parce qu'il avait subi des pressions éhontées de la part de la direction. Le projet, il a commencé. Ce conflit, il a ça d'intéressant, c'est que la politique que Pépi installe depuis des mois, depuis des années, là, on peut la stopper. S'il faut se rendre compte que stopper ce projet de loi sur la réforme ferroviaire, c'est aussi stopper la politique en ce moment incessante de restructuration qu'on subit. Et c'est en ça que cette grève-là elle peut être positive. Parce qu'on peut arrêter aujourd'hui ce qu'on subit au quotidien. Parce que la réforme ferroviaire, on pourrait la décliner de maintes et maintes manières. Tous nos problèmes actuels, locaux, régionaux, nationaux, ils sont inclus et ils vont être empirés par ce projet de réforme. Donc d'abord, on abat le projet de réforme. Et derrière, là, il y a une plateforme commune des OS où on peut discuter d'un vrai service public ferroviaire au service des citoyens, au service du public. Il est là l'enjeu. Donc l'enjeu, c'est effectivement de renforcer la grève pour que demain, on soit encore plus massif, qu'on ait un départ collectif qui ait vraiment de la gueule pour demain. Si possible, Karim vient de proposer une banderole. Eh bien, pourquoi pas faire comme en 2010 ou en 2007 ou en 2003, une banderole des grévistes d'Austerlitz qui défile sous la banderole jusqu'au rassemblement demain devant le ministère. Voilà, je m'arrêterai là. Ah, salut, moi c'est Jonas, je suis mécano à Bauster. Je suis pas syndiqué et je suis pas adepte des grèves généralement. Et c'est vrai que celle-là me semble importante parce que c'est plus une réforme sociétale en fait. On est encore le dernier pilon totalitarisme monétaire actuel. Et j'entends ce matin à la télé, Poubelle TV, excusez-moi, BFM TV, qui dit « Ah, s'ils veulent une évolution salariale, il faut qu'ils se privatisent. » Moi, je m'en fous des sous, j'en vive ma vie, tant qu'elle est là, parce qu'on n'a jamais vu un coffre-fort sur un cercueil. Tu vois, et dans 30 ans, quand j'aurai passé l'arme à gauche, parce que j'aurai tapé 14 heures par jour de boulot, qu'est-ce que j'en aurai à foutre d'avoir gagné 1000 euros de plus par mois? Ce que je veux, c'est bosser. Enfin, vivre ma vie, pardon, excusez-moi. Donc j'aimerais bien voilà, que cette grève, elle se mène à bout, elle aille au bout et que la réforme elle tombe, voilà, pour une fois que ça marche, quoi. Voilà. Merci. Alors il y avait Oui, bonjour, je suis retraité, moi, comme l'autre camarade là, qui est intervenu tout à l'heure. Donc, ce que je voulais voir quand même, c'est que dans cette grève, on est contre un gouvernement qui se prétend de gauche et qui mène une politique que la droite n'a pas osé mener, hein, qui consiste à nous faire payer la dette. Parce que le gros problème qu'ils ont, qu'ils mettent en avant, c'est que la dette, elle n'a pas cessé d'augmenter depuis 1997 avec la création des RFF qui, soi-disant, devait régler le problème, qui n'a rien réglé du tout, parce que la rapacité des financiers, des banquiers qui vivent grassement de notre travail, elle n'a pas cessé d'augmenter ses dettes. Elle est de l'ordre de 43 milliards d'euros aujourd'hui. Alors le problème, c'est qu'on ne nous a pas demandé notre avis quand ils ont fait les emprunts, quand ils se sont endettés et qu'ils ont continué à s'endetter. Par contre, ils nous présentent la facture en s'attaquant aux conditions de travail, en s'attaquant à notre vie, à nos salaires tous les jours. Eh bien ça, oui, il ne faut pas l'accepter. Cette réforme, on doit être contre, fermement contre. Et je pense que cette grève, si elle se renforce, il faut qu'elle se renforce parce qu'elle démarre très bien, eh ben, elle doit nous donner les moyens de le faire. Il ne va pas falloir canner parce que si on canne, effectivement, on sait ce qui nous attend. Alors la presse, et je vais finir avec ça, et tous les ceux qui sont finalement du côté de ce monde qui dirige à leur façon, oui, ils ne vont pas arrêter de nous matraquer. Là, ils ont déjà commencé hier. Ils vont continuer. Alors, il faut résister à ça, parce que si on tient le coup, et si on sait mettre en avant des revendications qui concernent
les cheminots, bien évidemment, mais bien au-delà des cheminots, oui, on peut avoir l'oreille des autres travailleurs qui subissent exactement la même politique. Dans toutes les entreprises, ça s'appelle des plans de compétitivité, ça s'appelle tartampion, on s'en fout. Le problème, c'est que la politique qu'ils mènent est toujours la même. Ils maintiennent les revenus du capital. Et ça, le gros problème. Alors, aujourd'hui, on a la grève entre les mains, il ne faut pas la lâcher, il faut les faire reculer. Merci, camarades. Et à bientôt, je serai là tous les jours. Merci. Allez, encore deux interventions. Et puis après, on va passer au vote. Hein, parce que l'heure tourne. Guillaume. Donc, Guillaume, je suis à SCT et à la CGT. Donc ça a déjà été dit, on est dans un moment historique. Historique à plus d'un titre. De par le niveau de mobilisation. Parce qu'effectivement, ça fait des années qu'on n'a pas vu autant de cheminots en grève, autant de cheminots dans les assemblées générales. Il faut voir quand même qu'il y a un TGV sur deux maximum qui roule, les guichets qui sont fermés. Enfin, on est vraiment dans une situation où le rapport de force, il a pris, il va falloir l'amplifier. Maintenant, on est aussi et surtout dans un moment historique, parce que la réforme ferroviaire, telle qu'on nous la propose, c'est l'acte de mort de la SNCF. L'acte de mort parce que cette réforme, elle se décline sur deux axes. C'est l'éclatement d'entreprise en trois épiques. Et la fin de notre réglementation du travail, avec la seule visée, c'est la privatisation et la vente en découpe de l'entreprise. On le voit, tout est déjà en place. Christophe l'a dit tout à l'heure. Ils ont déjà commencé avec les établissements monoactivités, multimétiers, où on regroupe les SCT, les conducteurs, les agents de l'escale, les agents commerciaux qui vendent des billets dans le même établissement TER. Demain, si cette réforme a place, avec l'ouverture à la concurrence, par exemple, l'établissement voyageur de Saint-Étienne, qui est un établissement TER, ça peut être Keolis, même une filiale de SNCF qui remporte le marché, et les cheminots seront transférés. C'est contre ça qu'on se bat. C'est pour nos conditions de travail et pour l'unicité de l'entreprise. Ça passe par là, et effectivement, on pourra gagner qu'en renforçant le rapport de force. Il faut que chacun d'entre nous qui est présent ici appelle un collègue qui n'est pas là, même s'il est en grève pour qu'il vienne à l'AG, ou prenne contact avec des collègues pas en grève. Il faut aller discuter. Ce matin, on était là à 6h, on a discuté avec des collègues. Ils nous ont dit, oui, effectivement, peut-être je vais poser ma deuxième en 48 heures. Mais toutes les discussions sont utiles. Il nous faut maintenir ce rapport de force. Regardez les trains qui roulent. Dans 3 jours, il n'y a plus rien qui roule. En 3 jours, si on continue, il n'y a plus rien qui roule. Maintenant qu'on est parti, il faut continuer. Ah, j'en ai terminé. Ok. Merci, Guillaume. Juste quelques mots, là c'est que je m'inscris dans le débat comme on dit, juste quelques informations pour pas qu'on ait l'impression, contrairement à ce que peuvent dire les médias, qu'on est isolé dans la période. On n'est pas isolé dans le sens où dans d'autres professions, dans d'autres entreprises, il y a des salariés qui se mobilisent, et ça c'est important, parce que tout ce qu'on va renvoyer, ou que les médias risquent de renvoyer, mais nous, ce qu'on va renvoyer, en étant visible, en étant dynamique, ça va avoir un écho dans leurs oreilles. Depuis le 10, depuis hier, on a le courrier, les agents de la Poste, qui sont en grève reconductible. Conditions de travail, salaire. On a le bureau de poste du 15e arrondissement, ils en sont à leur 15e jour. On a aujourd'hui les salariés de la recherche, qui sont en grève et qui sont en manifestation sur Paris. On a les salariés de la petite enfance de la ville de Paris qui seront en grève le 12. On a les bibliothèques municipales qui seront en grève le 13. On a les intermittents du spectacle, les chômeurs et les précaires qui vont refaire une action le 16. On a le 19, on a les hôpitaux publics de la PHP qui vont faire une action. On a le 26, on a une action interprofessionnelle, publique-privée qui est en cours de préparation. Donc là-dessus, on n'est pas isolé, et ça, il faut qu'on se le mette dans la tête, si on nous oppose le fait qu'on est un petit peu tout seul à se battre que pour nous. Et c'est ce qui a été dit dans toutes les interventions, et notamment Max, sur la question salariale, la question des emplois. On n'a pas envie que, comme il l'a dit tout à l'heure, on inscrive plutôt nos gamins à Pôle emploi avant de les inscrire à la crèche. On est bien dans ce choix de société-là. Donc, voilà, c'était juste ce petit mot que je voulais dire. Juste sur les infos techniques. Bien, je donne la parole après. Donc vous avez un panneau qui, normalement, est là au milieu avec Guillaume. C'est sur les piquets de grève, on l'a dit, c'est vachement important. On arrive à convaincre des collègues tous les jours. Et ça va nous permettre de maintenir le niveau de grévistes,
Parce que même s'il y en a 10 qui sortent et qu'on peut en faire rentrer 10 dans la grève, on se maintient à ce niveau-là. Et l'enjeu, il est là. Hein. L'enjeu, il n'est pas ailleurs. Voilà. Il faut faire gagner les camarades, enfin les collègues, ce seront des camarades après, quand ils seront dans la grève, ce seront les collègues qui sont aujourd'hui au boulot. Il y a des tournées de nuit pour aller aider les copains de l'équipement. Et croyez bien que les copains de l'équipement, si on arrive à les mettre massivement en grève, les travaux, et les gros travaux, ils vont s'en prendre un petit coup derrière les oreilles. Ça participe aussi du blocage de la production. Voilà. Sur la banderole, bon, proposition de Karim, je propose à ceux qui veulent participer à la banderole de se rapprocher de Karim. Hein, c'est celui qui donne l'idée qui s'en occupe après. Donc, sur les piquets de grève, c'est important. Et puis demain... je l'ai déjà dit, mais demain, rassemblement hyper important, il faut qu'on soit encore plus nombreux. Ça veut dire que tout autant qu'on est aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à ramener un collègue à l'AG demain. Deux, voire trois. Voilà. Mais si on double, voilà. Et là, on partirait en manif, et là, ça aurait de la gueule. Bon, après, on aura... toutes les idées sont bienvenues pour bousculer le gouvernement, bousculer le parti qui est aux manettes aujourd'hui. On a des moyens d'aller les secouer un petit peu. Il faut qu'on se prive de rien. Et puis surtout, après le vote, vous restez bien. Parce que je pense que le fait d'aller manifester... Ça marche quand même. D'aller faire un tour dans la gare... et voir peut-être un petit peu plus autour, ça participe de la chose, et c'est pas une manif pour se faire plaisir, quoi. On va montrer qu'on est présent dans la grève. Voilà, je laisse la parole à Myriam, après il y a Serge qui voudra parler, et puis après on passe au vote. Donc vous restez bien groupir. Myriam, ACT, et je voulais qu'il y ait une cheminote qui parle parce qu'on est aussi dans les grèves et que c'est important, les femmes sont importantes aussi. Et moi je suis pour, disons, et je pense qu'on est tous là pour le retrait complet de ce projet, de cette réforme, parce que c'est la mort de la SNCF telle qu'on l'a connue. Bon, je ne fais pas ancienne combattante, mais je suis là depuis 83, donc j'ai vu la dégradation. Et... pour demain, c'est vrai que c'est important, le rassemblement devant le ministère. Moi, j'aimerais que ce soit un peu festif. Alors, chez Carouan, ils ont décidé pour demain de faire un sitting. Moi, c'est mon rêve de faire un sitting devant le ministère, même de se coucher pour dire qu'ils nous ont tués. Ils vont nous tuer avec cette réforme. Mais qu'on n'est pas mort, mais on peut se coucher pour leur montrer, pour que ce soit symbolique, et après se relever pour dire que les cheminots, c'est dur de les achever. Et les cheminotes aussi. Voilà. Donc, faut prévenir un maximum de monde pour qu'on soit nombreux. C'est vrai que les grèves, ça peut être difficile, mais c'est aussi un moment hyper important parce qu'on se rencontre, on rencontre d'autres cheminots, d'autres gens, et que ça peut être aussi festif et très drôle, quoi. Moi, j'en garde des super souvenirs. C'est pour ça que j'adore ça, quoi. Et sinon, ouais, je crois que c'est important maintenant qu'on passe au vote et puis qu'on se dispatche tous dans des, entre guillemets, des ateliers pour pouvoir divulguer et aller voir nos collègues qui sont encore au boulot et puis montrer à tout le monde qu'on continue, la lutte continue et qu'on est là, quoi. Et voilà. Et... Voilà, chers camarades, chers collègues, en préambule, quelle belle journée. Une belle journée parce qu'on a le soleil avec nous. Mais aussi une belle journée parce qu'on a une grève ici sur le site d'Austerlitz qui est majoritaire. Événement historique. Deuxième raison de se contenter de cette journée, d'être satisfait de cette journée, le monarque Pépi et son porteur de serviettes Cuvillier doivent ce matin avoir des sueurs froides. Un peu partout en France, les chiffres annoncés de grévistes vont bien au-delà des prévisions les plus optimistes ou les plus pessimistes pour son gang. Donc Pépi, ce matin, il est remis en cause par la démocratie citoyenne dans l'entreprise. Demain, nous sommes dans un autre positionnement par rapport à notre rencontre avec Cuvillier. Le rapport de force qu'on a construit, et qui n'en doutons pas va s'amplifier jusqu'à demain soir, implique des bougies fortes dans le positionnement du gouvernement. Cuvillier ne peut plus se satisfaire en disant « c'est un bon projet de réforme, on va l'amender à la marge avec nos camarades réformistes ». Et puis la pilule va passer. Ça, c'était un message qu'il pouvait tenir jusqu'à hier soir. Ce matin, c'est fini. L'enfumage médiatique, c'est fini.
La réalité a repris le dessus. Aujourd'hui, concrètement, on est dans une situation où tout peut bouger. On n'est pas dans une situation où on doit simplement amender un vulgaire projet de réforme qui ne changerait rien au quotidien des cheminots. Vous connaissez le traditionnel message gouvernemental, patronal et de la direction. Ce n'est qu'une réforme de plus, votre quotidien ne sera... Non, on n'est plus dans cette situation. On est en capacité aujourd'hui de demander le retrait dans un premier temps, mais aussi de construire un nouveau projet alternatif de développement du service public ferroviaire. On ne se contentera pas d'un retrait d'un statu quo. Nous voulons une réforme, une réforme au service du public, une réforme au service des usagers et une réforme au service des cheminots, et c'est possible. Aujourd'hui, ça a été dit précédemment, le grand capital continue à se renflouer et chaque jour à augmenter ses dividendes. On s'aperçoit que l'argent existe dans ce pays, contrairement à ce qui nous est dit. L'austérité n'est pas une fatalité. L'austérité, c'est un choix politique capitaliste ultralibéral. Donc aujourd'hui, on a, à partir de ce préalable nouveau, et que nous avons gagné déjà ici, c'est nous qui sommes porteurs de cette nouvelle situation alternative. Il nous faut aller plus loin. Aller plus loin, ça signifie unité, unité, unité. Unité avec les usagers, et là on a du travail à faire. Les usagers doivent être aujourd'hui partie prenante de notre combat. Il faut les gagner, il faut leur expliquer, il faut communiquer, il faut les informer. Unité, parce que cette grève, contrairement à ce qu'a laissé entendre la direction de la communication, c'est pas une grève de roulant ou une grève d'aiguilleur, c'est la grève de tous les cheminots. Tous les cheminots, unité, c'est le troisième point. Tous les cheminots, je suis représentant de l'UFCM-CGT, donc des maîtrises et cadres. Je m'adresse plus particulièrement aux maîtrises et cadres. Les maîtrises, ce matin, se sont fortement mobilisées. On s'en satisfait. Les cadres sont encore, et je le déplore, dans le camp de la direction d'entreprise. Pas tous. Très majoritairement, pas tous. Excuse-moi, Marcel. La présence de cadres. Voilà, Marcel et d'autres. Donc il faut l'unité avec ces cadres qui aujourd'hui sont dans la duplicité, la complicité et sont dans la dissonance. Il faut qu'ils deviennent aussi des citoyens d'entreprise. Donc il faut poursuivre, et ça a été dit, je prends à multiples reprises, prendre le téléphone, utiliser les SMS, les moyens modernes de communication, gagner un à un les cheminots dans l'action en utilisant tous les moyens qui sont en notre possession. Ce sera notre labeur de l'après-midi. Mais ce que nous vous proposons tout de suite après le vote, c'est de partir en délégation, en manifestation dans la gare et auprès des directions pour aller, quelque part, montrer la voie des grévistes. Il n'est pas question que se taire dans quelques bureaux, quelques cadres à l'abri de la vindicte et qu'on les laisse tranquilles. Il faut aller ou les persuader, ou les secouer, ou leur dire les choses. Donc on propose que tout de suite après et avant de passer au repas festif, on parte en manifestation derrière des banderoles, derrière des porte-voix, derrière des mégaphones, et qu'on aille faire un petit tour pendant une petite heure. Le UV est fermé, mais on peut y aller devant. Il y a quelques directeurs de l'établissement dans le coin. Donc voilà la proposition. Et demain matin, après l'AG, puisqu'il y aura forcément une nouvelle AG, on ne va pas divulguer les choses. Après l'AG, on proposera des initiatives locales. Mais aussi... Voilà, oui, j'ai fini. Voilà. Et donc, je passe la parole pour le vote. Merci, Serge. Et encore, il a fait court. Hein. Juste, on peut ajouter un truc. Allez, Greg, dernier, vraiment. Hein. Hey, bonjour, moi c'est Greg. Moi, je tiens à souligner quand même qu'aujourd'hui, je suis quand même assez content de voir une inter-service comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Tout collège confondu, parce qu'aujourd'hui, il y a des maîtrises, il y a des cadres. Et ça, faut le souligner. C'est que les cadres, ils sont pas tous d'accord avec ce qui se passe. Les maîtrises sont pas tous d'accord avec ce qui se passe. Dans les maîtrises et dans les cadres, il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui sont sous pression par la direction. Quand on parle de démagogie, quand on parle de désinformation, il y a des gens qui ont reçu des mails à minuit, il y a deux jours, où on leur dit « faites pas grève », incité à pas le faire. Il y a des dirigeants qui sont même perdus dans cette réforme du ferroviaire, qui confondent les RH 077 avec des RH 001. Donc, dans le fond, la mobilisation, c'est clair, elle est nette, elle est présente aujourd'hui. Le 22 mai dernier, il y avait 22 000 personnes dans les rues. Au niveau gouvernemental, zéro information dans les médias. Zéro information sur Internet. Vous pouvez encore à l'heure actuelle essayer d'aller chercher les chiffres. On essaye de faire taire cette réforme. Demain, il faut être entendu. Demain, le 22 mai, ils ont essayé de tout taire.
Zéro information. Demain, on se fait entendre. Donc quand on dit que demain, il ne faut pas faire des AG ou on fait des grèves de complaisance à la maison, bah, ceux qui ont fait des grèves de complaisance aujourd'hui à la maison, bah, c'est de les faire venir demain. Et comme on le disait, un collègue plus un collègue plus un collègue plus un collègue, aujourd'hui, on est 160. Si aujourd'hui, on en ramène deux, demain, on est, deux, on est 300, on est 450. Et effectivement, il faut se faire entendre. Et vous faire entendre, c'est aussi par le bruit. C'est par aussi par le fait, comme il le disait, de passer dans les gares, d'aller voir les directeurs, ceux qui sont en train de nous écouter, qui sont juste au-dessus, là, qu'on fait venir des huissiers de justice pour voir combien on était. Bah, j'espère que vous nous entendez au-dessus. En dessous, nous, on va se faire entendre. Demain, soyez présents, soyez massifs et soyez mobilisés. Merci. Allez, le moment tant attendu, le suspense est entier. On va faire ça quand même très sérieusement. On a Camille ici et Cyril ici qui vont compter. Voilà, déjà. Hein. Donc, la procédure de vote, pour ceux qui ne sont pas trop au courant. D'ailleurs, je vais demander aux camarades qui sont au fond de se rapprocher. Ça évitera aux deux copains et copines qui sont obligés de compter... Qui vont compter de ne pas obliger de faire des kilomètres. Ceux qui sont dans les couloirs, au café, dans la salle, partout. Tout le monde sort. Ok. Tony, pour la CGT, l'a abordé aussi. C'est sur la question de la nécessité du retrait de ce projet de loi pour gagner, évidemment, une autre réforme derrière. Et ça passe avant tout. Par le retrait de ce projet de loi, de cette réforme. Alors, premier exercice. Pour le retrait. Vous voulez qu'on commence par les contre? C'est toujours un petit peu délicat, hein, quand même. Ah, c'est mieux, non, hein. C'est plus optimiste de dire les contre. Les pour. Ah, oui, d'accord. Alors, ceux qui sont pour, le retrait. On peut lever les trois mains. Alors, vous gardez bien les mains en l'air. Et Camille s'occupe de cette partie-là. Et Cyril... de l'autre côté, Cyril, il est où? Ah ben voilà, alors tu commences à compter et dès qu'il vous a touché le bras, vous baissez. Hein. Oui, c'est comment ça? Comment? Voilà. Moi, je m'étais compté, moi, déjà. Qui s'abstient? Qui est contre? Oui, hein, ou pas? Non, c'est une blague? C'est pas méchant, ce que je dis. Alors. Attends, ouais, tu me le gardes. Donc, pas de contre? Ok, donc le mouvement est reconduit donc jusqu'à demain prochain. Ah non, merde, c'est pas ça. Non, c'était une blague. Oh. On fait trois. Donc, l'AG des grévistes a voté à l'unanimité. 143 pour, 0 contre, 0 abstention pour le retrait de la réforme. Camille et Cyril, toujours prêts? Attention, deuxième exercice, vous pouvez changer de main. Juste avant, je vous annonce quelques chiffres sur le matériel, le TNC PRG. 60% tout collège, dont 73% à Vitry, 47% à Trappes et 64,5% à Montrouge. Voilà, ça c'est fait. Sur le deuxième vote, donc pour la reconduction de la grève jusqu'à demain 11h, qui est pour? Thank you.
70. Pardon. Alors, tout le monde a voté ? Vous êtes sûr ? Il n'y en a pas qui sont partis Bon, d'accord. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Bon, il y en a qui sont partis alors. Donc la grève est reconduite donc jusqu'à demain, Assemblée Générale à 11h, à l'unanimité, 135 pour, 0 contre, 0 abstention. Alors, donc juste quelques rappels. Donc on reste là, on sort les drapeaux, les banderoles, les machins, les coins-coins, les cornes de brume et tout ce qu'il faut. On va partir faire un petit tour pour secouer un petit peu tout le monde là-dedans. Les inscriptions pour les piquets de cette nuit, 22h à l'équipement et demain matin en gare. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Demain, et on n'oublie pas aussi qu'on ramène encore plus de monde demain à l'AG. À l'AG. Et retour aujourd'hui, là par contre, à 14h. Hein. 14h pour les tourner, pour finir de convaincre les collègues qui sont au boulot aujourd'hui qui auraient oublié de faire grève. Voilà. Hein, il faut bien aller les voir et les persuader qu'il faut qu'ils soient dans le mouvement. Une petite annonce aussi que m'a filé Myriam, c'est que ce soir à 18h au 44 boulevard de Vaugirard, devant le siège de la Poste, il y a une initiative des postiers qui sont en lutte depuis plusieurs mois sur plusieurs bureaux de poste et qui sont accusés de dégradation, garde à vue, etc., etc. Les copains, ils morflent un petit peu quand même. Donc ça serait bien qu'il y ait quelques cheminots qui aillent leur rendre visite. Ça va leur faire du bien au moral. Et puis voilà. Et puis on va y aller. Merci à tous. Et à demain. Et on continue encore plus fort. 100% reconduit à l'unanimité. Voilà pour les infos qui arrivent. Bretigny a reconduit aussi. On est en gare ? Ouais, mais ça va. Ça va, moi, tiens. On va dire qu'il y a un moment pour tout le monde apprenne bien les slogans. Donc on est contre la division en 3. Donc la division en 3, on n'en veut pas, tout à fait. On n'en veut pas. Et dire encore à moi, y'a pas moyen. La division en 3, on n'en veut pas. Et dire encore à moi, y'a pas moyen. Votre réforme, elle va sauter. Grève, grève, jusqu'au retrait. Votre réforme, elle va sauter. Hollande,
à moi. Le bas, moi, là. Grève, grève, ce soir, retrait. Tapis, revanche, cadence, écubillé. Parfait, pas, elle va sauter. Grève, grève, ce soir, retrait. Tapis, revanche, cadence, écubillé. Parfait, pas, elle va sauter. Tapis, revanche, cadence, écubillé. Parfait, pas, elle va sauter.
créa. Non, c'est pas coutume, on va à droite.
moyen. J'ai perdu mes oreilles. En grève avec nous, donc on l'ait eu pas. Parce qu'il y a le droit de grève, il y a le droit de non-grève. Il y a ceux qui pouvaient peut-être pas aujourd'hui, qui pourront peut-être demain. En attendant, on l'ait eu pas. Mais on les appelle à revenir avec nous comme on a fait sur la fin. Merci. On peut aller jusqu'au J'aurais dû mettre Ingrid, est-ce que tu grèves ? Non, c'est de faire des tournées les plus massives possibles. Donc ça veut dire être 10, 15, et surtout... Alors pardon, tu me stresses un peu avec ta caméra, excuse-moi. Être 10, 15, et surtout en fait, voilà, que ce soit le plus mélangé possible, c'est-à-dire intersyndical, interservice, et évidemment avec le maximum de collègues qui sont pas forcément syndiqués, qui sont pas forcément militants au jour le jour, parce que c'est ça qui va peser en fait, pour entraîner des gens dans la grève. C'est de montrer que c'est pas les mêmes, les habituels, donc qui vont venir faire la leçon aux cheminots. C'est de montrer que c'est les cheminots en grève qui s'adressent aux cheminots. Voilà. Donc allez, on va retourner vers le lieu de l'Assemblée Générale et on se donne bien rendez-vous à 14h au niveau de l'AG après avoir voté pour faire des journées au plus nombreux possible. Donc évidemment, on va retourner là où ça... Les cheminots solidaires, tous ensemble dans la galère. Bien sûr, c'est bien. C'est très bien.